sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Ô Christ, parmi les hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, couvrons-nous, prosternons-nous à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Ô Christ, parmi les hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Père Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, parmi les hommes, tu es la lumière. Gloire à Dieu.
Psaume 50. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Psaume 56. Pitié pour moi, ô Dieu, pitié pour moi. En toi s'abrite mon âme. Allons à tes œuvres.
89. Seigneur, tu es pour nous d'âge en âge refuge, de toujours à toujours tu es Dieu. Avant que les montagnes fussent nées, enfanter la terre et le monde. Cantique d'Isaïe, page 268. Cieux, écoutez le Seigneur, terre, prête
car il parle. J'ai fait grandir des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Saint Léon le Grand au 5e siècle. Croyez en moi à cause de mes œuvres. Quand vous écoutez l'Évangile, bien-aimé, vous découvrez en notre Seigneur Jésus-Christ certains traits selon lesquels il a été en butte aux injures et certains autres selon lesquels il a été glorifié par des miracles, en sorte que, dans le même homme, tantôt apparaissent des caractères humains, tantôt brièvement des aspects divins. Toi qui fuis le mensonge pour te mettre à l'école de la vérité, exploite avec ta foi les récits de l'Évangile. Applique aux actions visibles du Seigneur, comme si tu étais toi-même en la compagnie des apôtres, et ton intelligence spirituelle et le regard de tes yeux de chair. Attribue à l'homme le fait qu'enfant il soit né d'une femme. À Dieu, celui que ni sa conception ni sa naissance n'aient violé la virginité de sa mère. Reconnais en lui nos sentiments quand il verse des larmes sur un ami défunt. Éprouve la puissance divine quand, par le seul commandement de sa voix, il relève vivant le même ami qui sentait déjà, après 4 jours de sépulture. Il est d'un homme véritable de soulager la fatigue de son corps en se reposant par le sommeil. Mais il est d'un Dieu véritable d'apaiser d'un ordre impératif la violence des tempêtes. Donner à manger à des affamés est le fait de l'humaine bonté et d'un cœur soucieux d'autrui. Mais rassasier de 5 pains et de 2 poissons 5 000 hommes, qui oserait nier que ce soit l'œuvre de la divinité? En faisant coopérer avec elle les services d'une chair véritable, celle-ci montrait qu'elle était dans l'homme et que l'homme était en elle. Car la nature humaine ne pouvait être guérie des blessures laissées en elle par l'ancienne faute originelle que si, le Verbe de Dieu prenant pour lui une chair du sein de la Vierge, naissait en une seule et même personne, et la chair et le Verbe.
Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Délivrer ton peuple de l'Égypte par la force de ton bras et par ta main puissante. Détourne ta colère et ta fureur de Jérusalem, car la détresse qui pèse sur nous est trop lourde. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les bonnes œuvres de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Les Juifs lui répondirent: ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, c'est parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. Jésus leur répliqua: il est écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi les appelle des dieux. Et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites: tu blasphèmes parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Les Juifs cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa. Il repartit pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant: Jean n'a pas accompli de signes, mais tout ce qu'il a dit au sujet de celui-ci était vrai. Et à cet endroit, beaucoup crurent en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de la vie, son serviteur. Car il a dit par la bouche des saints, c'est notre foi, c'est prophète. Salut qui nous arrache.
lâche l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il célèbre avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Dans le Fils et dont le Fils est en toi, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses,
Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.